Ouh, les masses, les escargots, les mollusques. OK. Aujourd'hui, c'est à propos de les limaces. Une limace. Oh, la limace. I used to live in Vancouver, en Vancouver. And there was lots of slugs around my house. It was very sluggy. OK. La limace par Alice Gravel. Les petits dégoûtants. Il dit salut. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la limace. Yo! La limace est une mollusque comme l'escargot, sauf qu'elle n'a pas de coquille. Ah, tu es toute nue. So, we've talked about this, that this is the shell. They're almost the same creature. However, les escargots ont les coquilles. Il existe plusieurs sortes de limaces. Des limaces marins, à bord, moussaillon. Les limaces d'eau douce, oh, sole mio. Et les limaces terrestres. Les limaces terrestres sont celles dont nous allons parler dans ce livre. La limace a deux paires de tentacules sur la tête. Ça du haut ont des yeux au bout et les deux autres servent à capter les odeurs et les goûts. Je te vois! Et tu es un enfant et tu sens le brocoli. Ces tentacules sont rétractables, ce qui veut dire que la limace peut se rentrer à l'intérieur de sa tête si elle perçoit du danger. Oui, mais ce n'est pas pratique lorsqu'on porte des lunettes. La limace respire par un trou situé du côté droit de son corps. Breathes out of a little hole on the side of his, on the right side. Ça épate tout le monde quand je fais ça. La limace avance en rampant sur son ventre qu'on appelle son pied. Aimes-tu ma nouvelle robe? Son corps entier est recouvert de mucus, un liquide épais et visqueux. Pour ne pas se dessécher, la limace doit rester dans les endroits humides, par exemple sous les pierres ou les pots de fleurs. Oh, quelle journée magnifique! They need to stay in moist places because they are mucus-based creatures. Mucus, that slimy stuff. Le mucus produit par la limace est très important. Il aide à se déplacer en glissant et il sert aussi de colle. De colle, qu'est-ce que c'est la colle? Oui, glue. Pour qu'elle puisse grimper sur les surfaces verticales. So, that mucus helps, is like glue sometimes, and it helps them move and it helps them slide up things that are vertical. And it's looking at this baby and it's saying, quelle énorme limace! It's thinking, what a giant slug! Mais c'est un bébé. Il y a du mucus, oui. Quand elle perçoit un danger, la limace produit encore plus de mucus, ce qui la rend glissante et peut lui permettre d'échapper à ses prédateurs. Ah, je vole! C'est moi, super limace!
So they can produce more mucus when they're in danger so that they can escape from their predators. Pour trouver une partenaire et faire des bébés, la limace peut suivre les traces de mucus d'une autre limace. Attendra-moi, mon amour. Mais comme le ver de terre, like the worm, la limace possède les organes reproducteurs mâle et femelle. Donc, elle est à fois un garçon et une fille. So he's a boy and a girl at the same time. La limace pond des œufs dans une trou dans le sol. So it lays its eggs in the dirt. Ou sous un arbre, comme une pierre ou un morceau de bois. Les bébés limaces minuscules et transparentes naîtront quelques semaines plus tard. Félicitations, c'est une garçon-fille! Congratulations, you have a boy girl. Les limaces se nourrissent de plantes et de champignons. Les jardinières et les agriculteurs ne les aiment pas beaucoup parce qu'elles devoirent leur laitue. Yeah, gardeners don't like them because they eat all their lettuce. Pourtant, les limaces jouent un rôle important dans la nature en aidant à transformer des déchets en bonne terre. So they actually help decomposition of things in the ground for us. So they are very, very helpful. Abracadabra, déchets, transforme-moi. Alors, mes amis, la prochaine fois que tu rencontreras une limace, sois gentille. Partage ta salade avec elle. So the next time you run into a slug, please be kind and maybe share your salad. Délicieux. Tu n'aurais pas un chewing gum pour dessert? Ooh, lady math. Ooh. Plante. Oh, ah. Transforme les déchets dégoûtantes, oui, mais pas seulement. They're not quite all disgusting critters. They do serve their purpose. Ah, les limaces. OK, mes amis, ça c'est dégoûtant pour aujourd'hui.